Hey Watson, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo. C'est un format de vidéo que tu verras tous les matins. Bon après, peu importe à l'heure où tu te réveilles, mais c'est un format que je posterai le matin, histoire de te parler de plusieurs sujets. Que ce soit des jeux vidéo, que je joue, une musique, ou je sais pas, ou d'actualité, mais plusieurs trucs. Ça peut être bien, ça peut être cool. Comme ça, tu te réveilles, tu prends ton petit déj avant d'aller au taf. Ou avant de commencer ta journée, tu vois une petite vidéo d'âme, tu veux voir quelle connerie je raconte, ça peut être intéressant. Donc je vais exploiter ce format de vidéo, peut-être 30 ou 40 fois, je vais voir, pendant 40 jours, et je verrai si je continue ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons voir si Call of Duty, le nouveau MW2 sur PS4, est un bon jeu pour Noël. Je vais te donner les faits. J'ai bien précisé, hein, sur PS4, ok? Même si que sur PS4 et sur PS5, ben ça se rejoint, à mon avis sur le jeu restera le même. Sur PS4, pour moi, c'est important d'en parler parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de YouTubeurs en disant, ouais, je teste Call of sur PS4. Enfin, je teste le nouveau Call of sur PS4. C'est nul, c'est pas bien et tout. Moi, tu vois, ce Call of-là, eh ben, c'est un Call of qui m'a poussé, entre guillemets, à acheter et à envisager d'acheter une PS5 parce que il y a Warzone, tu vois. Qui dit nouveau Call of dit nouveau Battle Royale Warzone 2. À la base, il devait le faire sur PS5, donc moi je me suis dit, je vais acheter la PS5 parce que Warzone 2 sera sur PS5. Mais là, ils ont dit clairement, bon, avec les difficultés à vendre des PS5 et tout, c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs PS4, on va faire Warzone 2 pour les deux. Et ça, je ne le savais pas. Et quand je l'ai su, je me suis dit, mais attends, bah, je vais acheter Call of sur PS4 alors. Parce que en vrai de vrai, Warzone 1 sur PS4, bah, c'était bien. Les autres Call of sur PS4, c'était bien. Donc je reste dessus. Et ni une ni deux, je suis allé à Micromania, j'ai acheté mon Call of. Bon, il était cher, hein, parce que le Call of sur PS4, il est au même prix que sur PS5. Mais à l'intérieur du Call of, tu as un code qui fait que quand tu as sur Play Store, tu peux télécharger le jeu. Donc ça, c'est bien. Mais ils sont malins. Comme ça, les jeux PS4, PS5 sont au même prix. Même si que tu peux transvaser les deux au cas où, mais c'est au même prix. Comme ça, eux, ils perdent pas d'argent, ils sont tranquilles. Ton jeu sera de moins bonne qualité, mais si jamais tu veux en bonne qualité, t'achètes ta PS5. Donc ils sont très malins sur ça. En jouant au jeu, je te cache pas, j'ai pas senti de dégradation, de texture, de trucs comme ça. Pour moi, le jeu est beau sur PS4. Après, j'ai l'habitude de jouer à la PS4, donc c'est pour ça. J'ai l'habitude de jouer au Call of sur PS4. Pour moi, le Call of MW2 sur PS4, bah, ressemble à le Modern Warfare qui est sorti quelques années avant. Donc, pour moi, bah, je suis bien, j'ai un nouveau Call of. J'ai pas de bug au niveau des armes et tout. Bon, au niveau de l'affichage de certaines maps, j'ai des bugs. Mais pour moi, c'est jouable et c'est bien. Battle Royale, tout, c'est bien, il y a des nouveaux modes, c'est bien, j'aime beaucoup le jeu sur PS4. Donc je pense que ce Call of, pour moi, c'est un bon jeu pour Noël. C'est un bon jeu à acheter pour Noël, c'est un bon jeu pour jouer pour Noël et après, sachant que, eh ben, si je me trompe pas, le nouveau Call of sortira dans 2 ans maintenant, ils vont prendre plus de temps à faire les jeux et ça, c'est très très bien. Donc c'est un Call of qui va bien vieillir sur PS4 et Warzone 2. Est disponible, enfin sur PS4, oui, il est disponible sur PS4. J'ai dit, il sera disponible, il est déjà disponible sur PS4, donc tu peux jouer. Et moi, cerise sur le gâteau, quand je joue avec mes amis, ils ont tous la PS5 et je suis le seul joueur sur Play 4 et je peux jouer avec eux, je peux discuter avec eux. Donc, si tu as des amis qui sont sur Play 5, tu vas juste te faire vanner, mais c'est pas grave, tu peux jouer avec eux et ça va pas te gâcher ton expérience de jeu. Tu seras pas moins bon, tu seras pas moins fort. T'auras juste pas la même console, tu vois. Peut-être que eux, ils auront une expérience de jeu beaucoup plus magnifique parce que voilà, les graphismes, ils sont mieux. Mais toi, si t'es habitué à jouer à la Play 4, c'est bon, d'accord. En revanche, t'achètes la PS5, elle marche plus, tu joues sur PS4, voilà, ça sera pas pareil, les gars. Là, ça sera clairement pas pareil, oui. Mais si t'es un joueur PS4, tu peux foncer, acheter Call of sans problème parce que pour moi, ma crainte. C'était ne pas jouer au Battle Royale, ne pas jouer avec les gens sur PS5, mais tu peux le faire. Donc, fonce, c'est un bon jeu pour Noël. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. Faut-il acheter Call of MW2 sur PS4
ou PS5, je dirais oui, un grand oui, et encore plus t'as la PS4, parce que tu ne seras pas déçu. En tout cas, moi je te laisse ici, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.